Allez, un, deux, non, on fait, je dis, hey, Chocho Bello, et toi tu dis, Chocho Bello, Bobo. Non, 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 stop avec ça. Chocho Bello, Bobo. Voilà, sonnerie de l'établissement, ça sera Chocho Bello, Bobo. Imagine. Et on dirait pas, on est à l'école. On dirait les comédies graves mal faites des américaines mais doublées en français. Allez, vas-y. Fille gentille et fille normale, fille méchante à l'école. Buddy. Buddy and Angel. And Buddy. Hey, tout le monde, on espère que vous allez bien, mes amours. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On dirait qu'on est à l'école parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo sur les fournitures et l'organisation du. Pardon, j'ai vu la boîte du virtuel et le. Même j'en peux plus, mes amours, on va faire l'organisation du sac et on va vous montrer qu'est-ce qu'on a pris. Alors, on a déjà fait la chasse aux fournitures, si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous le mets là-bas. Ou là, je ne sais plus trop, n'hésitez pas à cliquer. Dans tous les cas, vous nous avez grave demandé quand même une vidéo où on présente carrément toutes les fournitures en détail. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en même temps qu'on va les ranger dans le sac de Lilou. Ah mais chérie, on parle trop dans l'intro, mais déjà je suis vraiment désolée, j'ai changé mes cheveux. Si vous n'avez pas vu le short, c'est vraiment pas la meilleure position puisqu'on est en pyjama pour se présenter avec la nouvelle coiffure. Il est 22h04. Donc voilà, hein, le visage, tout ça, il commence à fondre. Oh. Allez, c'est parti. J'ai pris ce cartable et ce petit soutien tasse parce que... Et ma chérie, du coup, elle a commandé son cartable qui a un ispack bleu pailleté et au final, elle s'est trompée sur la taille. Et du coup, bah, ça va pas du tout, on doit le renvoyer pour recommander un autre. Mais de toute façon, bah voilà, je vous mets une photo duquel c'est et vous allez voir, bah, c'est le cartable qu'elle aura de base. Mais de toute façon, on vous montrera dans une autre vidéo. Nous avons ma chemise à rabat. Regardez-moi ça. Ce qui est trop bien, du coup, cette pochette à rabat, c'est que vous pouvez faire de l'accordéon. Ça fait quoi comme bruit, l'accordéon? Vas-y, vas-y. Vas-y, fais-le, fais la cantée. Le prof, il va entendre au fond de la classe. Et tu veux qu'on raconte l'anecdote où on s'est fait convoquer au collège? Ah ouais, en plus, mes amis, on dit rien, spoil, mais en plus, oui. Mes amis, on s'était fait convoquer par les deux directrices du collège à Lilou. Si jamais ça vous intéresse qu'on vous raconte la story time vite fait, même en shorts ou en vidéo, dites-nous en commentaire parce que c'est parti sale à cause d'une vidéo qu'on a faite. On s'est fait convoquer chez la directrice. Non mais... C'est parti mal. C'est parti très mal, mes amours. Dites-nous si ça vous intéresse. Nous avons un classeur belge transparent simple à la plus petite taille à 4 anneaux. Un autre à 4 anneaux un peu plus grand. Contre le. Non! Attends, moi je sors tous les coups. Voilà! Ça fait. Donc là, on commence dans le classeur rose, on a les téléphones colorés. Aussi, je tiens à préciser, mes chéris, qu'il n'y aura pas que des vidéos école en ce moment. On est dans la période de rentrée et tout, je sais que vous kiffez. Et Lilou, elle a grave envie de faire ce genre de vidéos, donc on a trouvé plein d'idées. Mais après on va aussi reprendre les vidéos challenge, les vidéos haul, etc. Il n'y aura pas que... voilà, t'as compris. C'est parti, donc ça tu peux mettre dans ton cartable. Bon, du coup mes chéris, la trousse, elle a pris celle-là. Elle est trop mignonne, c'est un petit ours comme ça. Et quand vous l'ouvrez... On décapite l'ours, c'est super. Voilà, on va mettre les stylos. On va commencer à mettre dedans ce stick de colle qui est juste trop beau, que j'ai pris le même pour moi d'ailleurs, tiens. En forme de petite patte de chat trop mignonne. En fait, c'est deux blancos de colle collés. Alors là, c'est de la colle. Et ça, c'est trop bien. Les deux côtés, c'est de la colle. Ouais. Là, on va faire une trousse trop kawaii, mes chéris, vraiment. Hey, je veux déboîter ça. Il est trop beau, j'ai envie de faire une trousse, moi, j'ai rien. Regardez, elle fait zingouigoui. La queue, elle fait zingouigoui. Bah ouais, se déstresser seul. Mais regardez. Zigouigoui, zigouigoui. Non, franchement, c'est le feu. C'est trop mignon. Donc ensuite, t'as tes surligneurs qui s'effacent. On a payé le prix d'un bras. Là, nous avons la catégorie fraction de couleur pastel. On dirait le prof de SVT. De couleur pastel qui va suivre avec mon thème de l'alchimie.
Donc ils sont trop bien ceux-là parce qu'ils s'effacent, genre quand vous faites une erreur. Oui, effacer. J'étais subjuguée quand je les ai vus. Et puis là, nous avons des stylos de différentes couleurs qui sont recyclés, bien évidemment, pour les petites dents au-dessus. Pour les petites dents au-dessus. Les pilotes, comme ça. Attendez, je vous montre de près. Oh, ça ne rentre plus dans la trousse. Les couleurs, c'est ceux-là. Ils sont trop bien, ceux-là, ils écrivent trop bien. Et cette vidéo, elle est mal organisée. Mais qui filme comme ça? Alors, t'as la tête coupée. Moi, je suis comme ça sur mon bureau. Et du coup je vous mets une photo de sa deuxième trousse qu'elle a préféré commander sur AliExpress. Elle est trop belle. Et c'est pour ça qu'on l'a pas encore parce que le délai il est un peu long. Trop bien. Je vais pas vous la décrire, elle c'est grande. Elle est souvent sur le côté et un du haut. Et un du haut. Elle ouais, a je vous mets une photo. Elle a une belle. Je vous mets une photo. Donc chaque année on achète les blisters de Stabilo colorés parce qu'on aime trop ça et ça fait stylé comme ça sur ton bureau tu vois. Et donc cette fois-ci, bah, ça fait 2 années d'affilée quoi. Et cette fois-ci on a pris les, je sais pas, les pastels comme ça. Trop beau mes amours, j'aime trop. Les bâtons de colle, trop mignons. Donc là elle a choisi celle-ci cette année. On va sentir si elle sent bon. Bah j'ai trop de chenille donc ça va pas trop. Je sens pas d'odeur. D'ailleurs, tu peux ranger la trousse dans ton sac du coup. Je mets la trousse. Ah, on va mettre dans la petite pochette de son cartable ça. Il nous met dans ta petite pochette de cartable du coup. Et dès qu'on sort la trousse, on va mettre dedans. Ensuite, il y a la petite agrafeuse comme ça, trop mignonne. En forme de petite patte de chat, encore une fois. Ça, on ça, est ça, sur ça. Un shurikawa. Pendant ce temps-là, la gaga de Daron va ouvrir le sien. Parce que j'ai pris le même, mes chéris. On va tester, voir si ça grave bien, du coup, parce qu'on va faire un nouveau piercing à Lilou. Et à toi sur le nombril. Ça a l'air de bien fonctionner. Taste. Trop, trop belle. Vous voyez? C'est une bébé ravie de trousse, voilà, pas de chien, comme si elle est toute maïté. Miaoui les gamines, écrit. C'est une règle pour surligner tout, enfin qu'elle a pris en plus de ce qu'elle a déjà. Elle est belle, hein? Oui, super belle. Oh! Tiens, tu présentes tes gommes. Oh, t'es dégueulasse aussi. Oh! Oh non! Mes amours, regardez! Elle est bonne. C'est dégueulasse! Mon Rhodes! Mon Rhodes! Tu as présenté tes gommes. Alors? Tu crois qu'ils ont une odeur? Je crois. Vanille, raisin. Tu mens. Sniff si c'est raisin. Ah, mais. Ouais! Mes amours, il y avait des gommes. Attendez, on va vous les montrer de plus près. Il faut que je dire mes amours, mes amours, mes amours, mes amours, mes amours. J'en ai Maman, là, elle est super déçue de pas les avoir prises. Je regrette. Ah, il y a un petit truc alors. Oh là là, ça ouvre pas la troisième. Hein. Donc ça en fait c'est des gommes, je les montre, là on a la petite licorne qui sent le raisin. Là le koala qui sent la vanille et le panda qui sent la fraise. Oh là là. C'est une tuerie, vraiment quand je vous dis ça sent super fort. Par contre je remets dedans. C'est limite vous avez envie de scotcher autour de votre visage et de le laisser toute la nuit. Ça mes chéris c'est à moi, j'ai pris des petits surligneurs comme ça, aussi trop cute et tout que je vous ouvrirai sur TikTok. Et c'est n'importe quoi mon plan, pourquoi je me lève à chaque fois. Et après j'ai pris une petite souris correcteur rose, trop mignonne. C'est un correcteur. Ça s'appelle la colle? Non, c'est un correcteur parce qu'à chaque fois je fais des erreurs. Vous tirez et ça vous donne un autre qui va comme ça. Vous amour, contemplez-le, regardez. Petit chat comme ça qui tient les post-it et tout. Je vais juste faire un exemple, mais regardez. Vous allez tirer, hop, il y en a un autre qui se met. Hein? En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. La gugus de maman a pris évidemment les mêmes trucs que sa fille. Et elle a pris également une colle Cléopâtre rose pailletée. Trop trop beau. Ça c'est pas pour l'école mais c'est pour faire du slime. Et je tenais à vous le montrer parce que c'est trop beau. Devine qui t'es. Un indice. Là. Hein? Là. 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 Sandra. Non. Love it love. Là. Il y a là devant. Là, mais comme on a dit, c'est un objet. C'est une personne. Enfin. C'est une femme. C'est un surnom. C'est une femme. C'est une phrase.
Un mot que je dis tout le temps quand tu me ramènes McDo. Salut, la mec. Ouais. Tu es la mec. J'ai tellement de fourta sur mon crâne que ça te chamelle pas. Qui est ce pot de peinture? Il a été tagué. Mais ça, moi, ça collait même pas tellement. En plus, je suis en transpire. Il y a post-it, bébé post-it. Voilà, donc ça, c'est pour le brevet. Elle en a besoin. Explique-lui, parce que Miskine. Et en parlant de brevet, on a les petites fiches Bristol. Enfin, on va pas vous les montrer en j'ai détail. Pris les bébés. J'ai pris les bébés. Pour les ranger dans le classeur qui est. C'est lourd. On va essayer de passer à la perfection. La perfection. Sachou, ouais. Sachou, concentre-toi, c'est quoi ça? Un P. Ouais, un P comme papa. Et tu l'as très bien dit. C'est quoi, Sachou? Le cul. Oui, c'est bien, le cul de maman. C'est pas le cul de maman, c'est pas le cul de maman. Eh, ça me saoule, la vie, je vais péter un cul. Putain, merde, je me dis. Ouh! Attraper une forme de merde. T'as un nouveau type, t'as découvert. J'ai attrapé une forme de merde de classe. Oh non! Donc là, mes amours, du coup, elle a le petit classeur transparent affiche, ça va bien cette heure-ci. Affiche Bristol! Et là, on a la pochette transparente avec les petits. Non, ça, je l'ai expliqué vu que ta maman, tu sais pas trop ce que c'est. Vas-y, je vois. C'est un cahier. Mais il ne faut rien comprendre avant, ou pas plus fort. Okay. C'est un mini porte-vue où dedans vous stockez les fiches Bristol que vous avez plus besoin mais qui pourraient peut-être vous servir par la suite. Quoi? Ils sont pas perforés. Mais non! Il n'y a rien qui va! On s'est trompé, ils sont pas perforés. Donc l'organisation du cartable. Bah, tu pourrais les utiliser pour mettre dans ça, en vrai. Mais non. Mais mets-les là, c'est pas grave. Non, non, mais donne le carton. Mets-les là, je vais t'en acheter des autres, je vais m'en servir moi. De toute façon, tu vas pas s'en servir du coup. Bah, bien sûr que si. Là, on a des petites boucles d'oreilles. Que j'ai pas trop aimé. Regardez. Ça, c'est votre fille de 13 ans. vous lui ramenez ça, évitez. Ne choisissez pas ce type de boucle d'oreille pour votre fille de 13 ans. S'il vous plaît. Mes amours, je suis à la claire, c'est moi, je sais pas, moi je me souviens avec Lilou, elle a grandi trop vite, vous voyez. Et du coup, moi je pensais, je suis c'est trop mignon, elle va kiffer et tout, c'était les seuls que je lui ai acheté ça et elle m'a dit, mais maman, ça fait bien longtemps que je mets plus ça, ça fait calme. J'étais triste. Mais j'ai apprécié le geste. Voilà. Bon, bref, c'est un compas rose, voilà. Voilà, mets-le dans ta pochette. Mets-le dans ta pochette. Vas-y. Ah, oui. On se lève à chaque fois qu'on présente un truc. Je suis trop petite, j'ai les bras trop courts. Boudernie. Justement, elle, c'est Boudernie. Je donnais à Boudernie. 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 Ah, mais dans ce cartable, c'est ceux-là, les stabilos. Je vais pas les utiliser comme feutres. Hein. Voilà, elle va prendre aussi des feutres qui lui restent. Voilà. Donc voilà, là pour ceux-là. Plutôt qu'on utilise les pigments. D'ailleurs, je vais avoir les mêmes, mais en pointe fine. C'est pas certain. Si, ça choue, ça choue. Au niveau de l'agenda. Attends, d'ailleurs, je m'en souviens plus. Est-ce que c'est. Oh non. Il est beau, hein. Mais il est tout nul dedans. Ça donne pas envie d'écrire. C'est toi qui l'as choisi, hein. J'avais pas regardé dedans les gens si c'est de l'arnaque ou pas. S'ils ont juste rajouté une pochette. Voilà. Imagine là tu vois la marque pouce qu'a dit. J'hésite entre l'envie de pleurer ou de. Il est beau parce que tu pouvais pas prendre des trucs qui font cut. Fallait prendre aussi quelque chose qui fait galère à dos, hein. Il est beau. Oui, mais moi je préférais le. Après, tu pourrais custom avec des stickers, c'est tout. Voilà. Allez, mets-le dans ta passion. On a l'écran de couleur, la règle, l'équerre et le rapporteur. La passion de Swan. Dans ton cœur. Dans ton cartable. Et arrête. Je fais un bruit comme ma maman. Elle est juste derrière, mais elle n'entend pas.
Mon chéri, taille crayon que Lilou va rajouter du coup dans sa petite pochette, c'est celui-ci. Un petit triangle. Non, mais l'avantage, je le sais, je vais mettre comme ça, c'est que dès qu'il y a une mine qui se coince, t'appuies ici et elle sort, c'est ça? Oui, elle sort. Mais c'est foutu plein de paillettes celle-là. Oh mince, ça l'a remarqué. Mais punaise, non. C'est le but du prank. Prank you, brother. Moi, je me suis pris ceux-là, mes chéris. Donc, c'est des Paper Mate Flat Grip Ultra. Tout ça parce que je les trouvais beaux. Je sais même pas. En fait, ils sont tous de couleur bleue. C'est tous des stylos bic bleus. Moi, je croyais que c'était décoloré. Bah, ouais, j'ai un stylo jaune. I'm happy. I don't know. Bon, là, on va passer à des fournitures que vous n'avez pas encore vues. Parce qu'on est passé chez Action pour prendre un peu de trucs. Donc, vas-y, Lou. Voilà, des stylos gel colorés. Oh, il y a des pastels, des... Dépêche-toi. Donc voilà. Oh, waouh. Attends, là, ah ouais, c'est à moi, ça. Ah. Mes chéris, j'ai été tout à l'heure à Action, Lilou, elle les avait pas vus, donc voilà. Et ça, on avait 5 euros, il y a tout ça. Mais il n'y a pas que ça, du coup. Il y en a encore. Mais comment on fait pour accéder à ce qu'il y a derrière? Bah, c'est pas... Comment on fait? Bah, t'enlèves. Ah ouais, d'accord, parce qu'il y a encore une orangée derrière. Attention, on teste pour voir comment ils sont. Franchement, ils vont super bien, ils sont très très beaux. Ça, elle va pas les mettre dans son cartable parce qu'il y en a beaucoup, mais elle va les... on va faire une vidéo esthétique, on va tout ranger et on les rangera dedans. Non, pas dans le cartable, ils nous laissent ça, on va dans la vidéo esthétique, on va les mettre dans les pots. Crayon de bois. Je me fais mal aux yeux, toi tu regardes même pas. Crayon de bois HD. C'est ceux-là. On en a marre qu'ils nous demandent des vieux crayons de bois HD et du coup, à Action, on a trouvé ceux-là. Glitter. A glitter. Je vais prendre le... Prends-en un dans ton cartable, moi je prends le rose. Moi je prends le rose. Non. Je prends le bleu, toi je parle. Par contre ça, j'en avais l'année dernière, enfin l'année dernière en 6ème. Et bah j'étais pas satisfaite parce que en fait quand tu tailles, le plastique là qui protège les paillettes, il s'enlève. Ah ouais, c'est vrai. Putain, ils perdent grave leurs paillettes. Hein. Ensuite, des feutres des Rainbow Smooth. Des craies grasses. Ah, c'est des craies grasses un peu. Moi, j'ai cru que c'était des feutres, mais regardez, ils sont trop beaux. Ils sont aquarellables. Tu veux voir que j'ouvre? De toute façon, tout ça, on va organiser dans des pots. Ah, j'avoue, attends. C'est des, en fait, c'est des crayons comme ça. Tu peux les monter. C'est des craies. Mais c'est trop bien, c'est des craies grasses comme ça et tu peux les... c'est grave bien. J'aime trop. Et ils sont aquarellables. Tu t'en as toi? J'ai les deux paquets que... Ils sont grave bien. J'ai les métalliques et les pailletés. J'avais pas. Non, enfin, on organisera ça de façon. Ensuite... Ce cahier est trop beau. Il fallait un cahier de brouillon avec un petit arc-en-ciel comme ça et tout, on l'a trouvé à Action, il est trop beau. Ouais, c'est celui qu'on a trouvé à Action, mais sinon tout le reste de ces cahiers, tu as mis dans ton cartable. Je vais faire du slime, donc j'ai pris ça, rien à voir, mais chez lui. Ouais, c'est de la peinture, mais je me dis que regarde, ça ressemble grave à ça en vrai. Non, ça c'est de la colle. Gel pailleté. Et ça c'est de la peinture, paint. Mais ça c'est un gel pailleté, je crois. Peut-être. En tout cas, ça y ressemble fortement. Ouais. On a pris ce petit cahier avec une reliure. Coup dans la tête si tu me fais chier. Il est trop beau mes amours parce qu'à l'intérieur il y a des intercalaires comme ça. Et vous pouvez changer de place. Et par exemple si vous en avez marre, vous prenez l'intercalaire et vous le repositionnez devant le cahier. I love that. Mais là en fait regarde maman, chaque couleur elle correspond à un intercalaire et il correspond à un truc que tu as écrit devant. Ah pas mal du tout. Mais ça n'a rien à voir avec la rentrée, mais du coup c'est pour les activités manuelles de Lilou. C'est du spray acrylique pour faire, bah, je sais pas, par exemple, faire des éclats sur des vêtements, sur des baskets, sur tout ce que vous voulez. Okay. Les post-it comme ça, avec les petites flèches, les petits trucs et tout, pour bien organiser ses cours, bien organiser ses petits trucs. Ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez le mettre dans votre classeur de fiches Bristol ou autre. Vous avez plus qu'à le... Il y a un côté fait exprès pour les réunions. Il y a un côté, force pas, il y a un côté. À la cassation de quoi, là. Ça me fait. Alors attendez ça mon chéri, mes chéris, j'ai pris cet agenda parce que moi il m'en fallait un pour organiser mes vidéos et tout pour la rentrée. Et du coup pareil j'ai trouvé chez Action, mais là il est trop beau. Regardez, il est comme ça, il a plein de petits cœurs. Octobre, genre c'est un peu comme un classeur, il y a les petits intercalaires. Décembre, janvier, et il y a des stickers. Non. Si, je viens d'en voir. Tu les piques hein. Ah non, c'est un intercalaire comme ça. Bref, il est trop beau. Même là, regarde. Regardez, il est trop canon chez Action.
Rakentente. Ensuite, nous avons une tissu ligneur là que je voulais m'acheter, mais qu'elle a trouvé avant moi, mais du coup elle va me les donner. C'est une plaque de surligneur fluo et pastel qui se clipse aux autres trucs comme ça. Et j'ai toute la collection des autres trucs. Feutre à calligraphie, feutre à alcool, aquamarqueur, je les ai tous. Du coup ça me prend la peine. Elle dit rien, ça veut dire oui. Regardez. C'est chic. Ouais, ça prend. Ils sont trop beaux, j'aime trop. Bout dernier. Voilà. Il nous reste à mettre les cahiers dans son sac et c'est bon. Il fait tellement chaud que mon appareil il n'arrête pas de s'éteindre. Juste ça, moi je me suis pris une pochette comme ça. Si jamais ça peut vous intéresser, à l'intérieur vous pouvez classifier tous vos trucs, vos documents. Oui, classifier vos documents et tout. Par exemple, moi je vais classifier mes factures. Et comme ça, là vous avez les petits autocollants que vous pouvez mettre sur les intercalaires dans votre facture, septembre, octobre, novembre et tout. Et c'est grave pratique. Bref, en plus elle est trop belle, je trouve. Lilou, il lui fallait un répertoire, tout simplement. Voilà. Et tout ça en étiquette, on va faire les étiquettes dans une autre vidéo. Au niveau des cahiers, du coup, pour aller très vite, parce que. Oh comme l'année dernière, elle a pris, si vous avez vu la vidéo, chasse aux fournitures, tous les cahiers pastel, Clairefontaine. Et voilà, ils sont trop beaux. Il y a les bleus, il y a les violets, il y a les roses et tout. Tiens, Lilou. Ça on va pas encore les mettre parce qu'elle sait pas encore les matières et tout, mais elle avait besoin d'intercalaires. Donc pour ce pareil elle a pris, vraiment elle en avait besoin de beaucoup. Parce que tous ces cours j'ai l'impression qu'ils sont dans des classeurs. Et du coup elle a pris les pastels aussi pour aller avec les classeurs. Et des pochettes comme ça, ça c'est la base aussi pour son classeur. C'est déjà bien, c'est lourd. Oh c'est bien lourd. Donc voilà mes chéris, pour les fournitures de Lilou. Si jamais vous voulez vraiment voir les fournitures de Swan, dites-le moi aussi en commentaire. Je verrai ce que je peux faire, je négocierai avec Sohan. Oh. Voilà. Du caca de stylo. Mais c'est juste pour classifier, ça c'est pas pour écrire. Parce que tu t'as mis ton caca. Tu rabac. T'as mis le qu'est-ce que tu rabac. T'as mis ton dans le caca de stylo. Donc voilà mes amours, je tenais aussi à vous présenter mon pot à crayon qui est trop beau. Qui s'appelle Hermès. Voilà. Mes chéris, j'espère vraiment, on espère que cette vidéo vous aura plu. Boum. Oh mes amours, il va être minuit, donc on va vraiment clôturer cette petite vidéo. Aller se regarder une petite série de danse. Ouais, bon, hein. Hein, tu dis ça que ma vidéo, alors que moi, dis, bah, dis non. Je sais pas, on va voir. Si vous avez kiffé, dites-le nous en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Fait plein de gros bisous. Damn les gens. Mouah. On vous aime mes amours. Je vous aime mes amours. Viens, tu parles à Momo ouais. Bah alors, parce qu'ils sont trop mignons. Mignon. J'ai encore envie d'abonner à Action tout à l'heure, elle était trop chou. Ça tombe, il y a un vieux pervers derrière. Alors j'ai giga peur vu que je viens d'entendre quelqu'un marcher. Tu mens. Je te jure, j'ai entendu des bruits, quoi. J'ai entendu. Arrête! Je te jure, c'est vrai, et je me suis coincé le ciseau sur mes orteils.